Bonjour à toutes et à tous, c'est Axion 5, je suis en compagnie de Zalti. Je fous une tôle. Exactement, c'est comme ça qu'on dit bonjour chez nous. Voilà. Et nous sommes sur Hearthstone Heroes of Magic, c'est ça? Heroes of Warcraft. Warcraft, c'est pareil. Pas du tout. C'est pas grave. Donc voilà, je suis avec Zalti et on a décidé de faire un petit match amical, sachant que moi j'ai commencé dès la bêta ouverte et toi t'avais déjà une clé en bêta fermée. T'es déjà chez Blizzard, ouais, finalement. Ouais, mais j'y avais pas joué beaucoup perso, donc voilà, honnêtement mes 100 matchs je les ai fait quand t'as eu ta clé bêta que je m'y suis remis et tout, donc. Alors que moi je viens juste d'avoir mes 100 victoires, si vous voulez. C'est ça. Quand il veut dire 100 matchs, c'est 100 victoires. Oui, 100 victoires, pareil. Voilà. Et donc je te laisse m'inviter pour un petit match. Non, on peut voir l'heure ici. Ah, on peut voir l'heure en bas. Oui. Je viens de découvrir ça, c'est à moitié transparent, ça se voit très peu. Voilà. Je commence. Je rappelle que c'est une bêta, donc ça bug un peu. Pour expliquer les règles, pour nous, en fait, on a décidé de faire 3 matchs. Pas de problème de gagnant-perdant, juste 3 petits matchs amicaux à la suite. En choisissant 3 decks différents à chaque fois, hein. Je pense que c'est mieux. Ouais, je vais prendre 3 decks différents. Voilà, on va faire tous les deux la même chose. Juste, on prévient quand on prend notre main. On le prend à la fin, le dernier. Exactement, c'est ce que je pensais. Pour le spectacle. Voilà, donc par contre on s'annonce pas nos decks à l'avance, bien sûr. Hein, c'est pas marrant. On s'en fiche, de toute façon je vais gagner. Exactement. J'ai fait ça n'importe comment, j'ai foutu des cartes au pif. Voilà. Donc, moi c'est choisi. Toi c'est ça fait depuis longtemps. Voilà. Donc une partie tout à fait en détente pour cette vidéo de dimanche. Avec Gul'dan contre Thrall. Alors moi je joue le démoniste et toi tu joues le chaman. C'est ça, pour marteau du destin tout ça. Exactement. Et moi j'ai pas une si mauvaise main que ça pour débuter. Ça je vais m'en passer. Bon, c'est pire que ce que j'avais mais pourquoi pas. Ça va. Ah alors ça par contre ça c'est très très bien ça. Bon. Par contre je suis content qu'on joue sur le terrain d'Orgrimmar. Oui. Alors juste pour expliquer, les petits trucs avec les 0 et tous les autres chiffres, parce que si je lui donne mon nombre de cristaux de mana sur mes cartes, ça ne marche pas. Voilà, ces cristaux de mana, en fait, on peut les jouer par tous les tours, en fait, ils se rechargent, et on en a un de plus jusqu'à concurrence de 10. Et chaque carte a son pesant de cristaux de mana, et là, j'ai joué une carte avec provocation, donc c'est voilà, les adversaires doivent attaquer ce serviteur avec des attaques physiques, tout du moins. Il a 1 d'attaque et 3 points de vie. Voilà. Et c'est un démon. Je peux passer parce que maintenant, je sens qu'il y en a un qui s'impatiente et qui spam clic de partout. Ah non, mais je joue avec la catapulte. Ah oui. Ouais. Alors la pièce, c'est ce qu'on offre au joueur qui joue en second, puisqu'il a un coup de retard finalement par rapport au mana. Joueur qui est en second, juste complètement au final. Il a une carte de plus, la pièce. Ouais, ça va. C'est vrai que c'est complètement craqué. La pièce, je trouve ça bien, mais la carte de plus, le plus, c'est inutile, je trouve. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et cette carte-là aussi, elle fait bien chier. Un petit gamin, ça. Ça y est. Ah, ça y est. Sachant puisque c'est ça, totem. On rappelle juste que ni l'un ni l'autre, ce sont nos decks principaux. Je crois que c'est une des rares... Ça doit être la cinquième partie que je fais avec un chaman. Ah ouais. J'ai mis des cartes complètement au pif. Limite, le deck de base est mieux. Ah oui, le deck de base est certainement mieux. Donc ça, c'est mon pouvoir héroïque, c'est que je vais utiliser tout de suite. Puis je vais en profiter pour... Non, mon totem. Taper son totem, parce que dégâts des sorts, c'est quand même chiant. Mon beau et délicieux totem. Exactement. Le Zalti qui n'est pas content. Jamais content. Non, un enragé du Maïma. Ça va que dalle me sauver, mais bon. Effectivement, ça ne te servira absolument à rien. Et maintenant, surtout, cette carte-là. Cette carte que j'avais dès le début. Et que j'adore. Parce que voilà, ça diminue de 2 cristaux de mana toutes les autres cartes que j'ai invoquées derrière. Et là, c'est génial. Bon, allez, la catapulte de l'espoir. Moi, j'aime bien. Alors... est-ce que c'est logique que je fasse ça? Je suis en train de réfléchir en fait. Hein. Est-ce que ça vaudrait pas plus le coup que je sacrifie mon loup alpha? Et en même temps, non, il aura sûrement rien à jouer en face.
Tu prends de gros risques en supposant ça. Ah, exactement, je suppose. Pourquoi? Je suppose, mais... Ah, c'est les serviteurs adjacents, ok. Oui, c'est les serviteurs adjacents. Oui, c'est pas tous les serviteurs, c'est pas le chef de raid. Ah, d'accord, c'est pour ça que... Non, c'est pour ça, je sais pas pourquoi il en avait pas. En fait, tu l'as très mal positionné, du coup, en fait, ton portail. Je l'aurais mis directement à côté, moi. Non, pas du tout. Non, maintenant tu vas mettre des trucs entre deux. Et là, le jongleur de couteaux. Et là, ça permet d'envoyer des cartes pour pas cher. Moi, je dis ça, je dis. Bam. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente pas? Je suis sûr que ça va manquer de respect. Complètement. Mais complètement. Voilà. Là, ça te manque, mais totalement. J'ai un petit coup de couteau, blague, juste pour te dire bah. Là, je prends tellement le contrôle du board en ce début de partie. Faut dire que j'ai eu du top deck. J'ai eu pas mal de bol sur les cartes que j'ai eu. Surtout déjà, rien que le portail d'invocation que j'ai eu il y a pas longtemps. Tellement bien ce portail. Je crois que je suis foutu, donc je vais balancer des trucs au pif. Exactement, t'es foutu dès le début du jeu. Enfin bon, on rappelle, ce sont pas nos decks principaux. Moi non, je l'ai fait il y a 2 secondes. Je me suis dit, tiens, je vais prendre Thrall, je vais mettre que des orques, que des trolls. Un peu comme la horde de Warcraft 3. Et je vais mettre des éléments. Des c'est conneries ça. Comme ça. Uniquement pour que ça roule. Ouais, c'est... Fou, je te foutrais une toile avec le deck principal. Exactement, donc je m'en fais pas de soucis. Regarde. Poum. Voilà. Par contre, encore une fois, t'as mal positionné tes cartes. Mais non, je m'en fiche. Sincèrement, je suis en train de... Puis non, elles sont bien positionnées, mes cartes. Non. Mais si. Ton garde funeste, t'aurais dû le mettre à côté du loup, parce que du coup, ton portail, ça sert à rien qu'il attaque. Ouais, mais je m'en fous, c'est pas grave, ça. C'est pour un point. Ta déchéance sera tout de même là. C'est ça, ma déchéance est juste totale, mais bon. J'ai envie de dire que t'as perdu avant même d'avoir joué là. Donc... Avant d'avoir le type de provocation. Non, bah non. Non, ça passe pas. Avec un point peut-être, tu tentes de résister. Ah, ouais. Oh, c'est gentil. Ah, ouais, j'insiste. Voilà, je te le soigne. Ouais, cool. Nickel. Et tu sais quoi, je suis encore plus quelque chose. C'est ça brûle tout le bord. Ouais, plus rien à foutre. Ouais, plus rien à faire. C'est fini. C'est ça, c'est... C'est fini, et je t'achève juste comme un sac. Non, d'abord je vais m'enlever quelques points de vie. Ensuite, je t'achève. C'est... Bon, j'en profite, c'est rare que je le batte. Voilà pour ce premier match. Du coup, changement de programme, j'utilise pas le deck que je voulais utiliser, je perds. Ouais, alors là, t'as l'intention d'utiliser un autre deck de base, hein, finir par le meilleur, on est d'accord. Enfin, de base. Non, c'est un deck que j'ai fait. Enfin, voilà, il y a les decks de base, y a les j'utilise. Decks perso, j'ai mes decks de base personnalisés en fait. Enfin, bon, c'est un peu bizarre, j'ai juste modifié quelques cartes. Oui, Si je commence à utiliser le deck de base... T'as déjà choisi, toi? Ouais, j'attends. D'accord, bah c'est parti. Tu sais, c'est vite fait. Je t'ai déjà foutu de façon une toule avec un deck de base. Exactement. Attends, j'ai envie de dire, le mien était quasiment de base aussi. Peu importe. Ah, ça va être un deck... Vous l'avez cherché. Paladin, pétonnage. Au moins, ça change. Ça permet d'avoir quelque chose de différent. J'aime bien les choses différentes. Vu que je sais qu'il marche celui-là, je vais l'utiliser. Ouais, alors là par contre j'ai que dalle. Mais vraiment que dalle. Et par contre j'ai la pièce. Et mon pouvoir c'est de balancer une recrue. Un tir. Sûrement la chose qui va plus me servir durant cette partie, je crois. Parce que vu ce que je pioche, c'est mal barré pour que je... Bon, si tu refuses de jouer, je continue. Hein. Complètement, vas-y. Vas-y, fais-toi plaisir. Là, il va jouer le larbin. Ben, non? Non, un peu mieux quand même que le larbin. Oh, chiant. Chiant, mais facilement destructible aussi. Hein. Chiant. Pas grand-chose pour protéger non plus.
tu trades pas avec ton... Non. Ouais, c'est vrai qu'avec un mage, trade là-dessus, c'est un peu bête. Puis surtout, le kobold est bien pratique. Ouais. J'aurais tout à fait pu trade, honnêtement. Juste vu ma main, j'aurais pu trade, ça aurait pu être intéressant. Moi, j'ai... Mais bon, c'est des decks fait la rage. Enfin, oh, ouais. Presque. Vas-y. Est-ce que c'est pas intelligent de faire ça? Ah, là, je suis vraiment en train de réfléchir parce que c'est une carte qu'on n'utilise pas comme ça, quoi. Donc, ouais, bon, bah tant pis. Je vais faire ça. C'est pas forcément la chose la plus intelligente à faire dès maintenant. Au moins, disons que je prendrai moins cher à niveau de dégâts des sorts. Ben. Bah, de toute façon, j'ai envie de dire, je peux pas faire grand chose d'autre que ça. Je suppose que tu m'aurais détruite au tour suivant. Pas sûr. Il y a de fortes chances. Du coup, je l'ai loué, mais il sert à limite à rien. Bah là, oui, du coup, il sert à rien. Effectivement, ton raisonnement est bon et logique. Ah, pas grave. Au moins, ça me fait un monstre. Moi je vais jouer ma championne en vrai. Vas-y, joue l'épée. Je vais tabasser ta gueule de merde. Voilà. Uniquement pour. Il vient tabasser ma gueule de barbu. Voilà. C'est ça, j'aime pas les barbus. Tu sais quoi? Ah ouais, si. Ouais. Du coup, je pourrais pas te taper sur la gueule au prochain tour. C'est ça. C'est pas marrant. Hein. C'est pour ça que je le fais. C'est mal, c'est mal. Oh mais tellement j'ai rien à faire sur ce match. Ah cherche pas, tu m'as démonté sans que j'ai rien pu faire à l'autre, ce sera la même. Je trouve ça irrespectueux. Complètement. Surtout que tu peux absolument rien faire dessus. Oh non. Franchement, c'est tellement la carte qu'il fallait que tu me balances aussi. Ah, j'ai peut-être l'air. On est d'accord, tu viens de me balancer une boule de feu. J'ai pas pensé aussi au +4/+4 qui se barrait. un poil de démesure. C'est clair, toi t'as pu m'envoyer ta petite boule. Les portes sont ouvertes. Non. Ouais, rien à foutre. Du coup, je me retrouve pas du tout dans la merde. Mais c'est clair. Quoi que je fais, tiens, balance une boule de feu sur moi. J'avoue que ça s'est mal joué quand même. Je tiens à dire que envoyer une boule de feu sur une 1-1, c'est. Aïe. Ah, pas bien. Tu m'as pas aidé, gobelin. Non, c'est. Le bombardier fou, franchement, c'est. En plus, surtout que c'est quand c'est toi qui as le board. Hein? T'as un sort à lancer? Ah non. Non, bah non. J'y ai cru pendant un moment et puis bah non. Ouah, mais ça veut juste me laisser un malheureux point de vie là. Ouais, c'est ça, c'est... j'aurais bien fait plus, mais le bombardier fou n'a pas fait son œuvre. Le bombardier fou était malheureusement en manque d'inspiration aujourd'hui. Nous devons purifier le puits de soleil. C'est ça, purifier le puits de soleil. Ouais, purifier. Moi j'ai purifié la fin. Ah, j'aurais tellement pas tellement cramé ma boule de feu pour que dalle. Ah, je suis d'ailleurs. Ah, complètement. Par contre, là, du coup, lequel je t'attaque? Parce que le bombardier, il va me faire chier, mais dans tous les cas, on arrive à me faire chier plus vite. Logiquement, en général, on élimine la Wyrm parce qu'elle peut gagner pas mal de vie. Bah, surtout l'attaque, en fait. Oui. Enfin, oui. Oui, oh, tu comprends ce que je veux te dire avec mon cœur et pas avec ma bouche. Un tir, un mort. Enfin, je vois pas l'intérêt d'avoir tiré sur lui, beaucoup. Ah si, d'accord. Je comprends. J'avais pas compris au départ. Je comprends mieux maintenant, bizarrement. Le but était de le dégommer. Je me sens con maintenant, là, tu vois. Je me sens très très con. Ouais, ça peut pas être pire que moi qui lance une boule de feu. Je veux que tu censures le coup de la boule de feu sur le... Je veux que tu fasses... Je veux que tu me coupes ça au moins. Malheureusement, ça n'arrivera pas. Non. Non, t'as pas le droit de me faire ça. En avant. Non, je commence à avoir des petites coupures. J'espère que la connexion va tenir.
J'espère aussi. J'espère aussi, parce que j'aimerais bien te mettre ta tôle avant que tu disparaisses. Oh, bien ça. Ça, c'est le top deck pixel, ça. Un petit peu, quand même. Pas du tout. Bah si, ça ne me sauve pas du tout. Bah si. Si, si, ça te sauve. Justice. Putain, en fait, j'aurais tellement pas cramé, j'aurais tellement eu une chance, mais du coup, j'en ai aucune. Ouais. Enfin bon, là, j'ai envie de dire, je mène sur ces parties-là, mais en même temps, tu regardes bien. Sur le dernier, je vais me faire péter la gueule, donc c'est pas grave. Ça clean, mais ça clean pas assez vite. Pas mal. Pas mal, pas mal. Est-ce que tu permets que je fasse un peu chier? Putain, mais je suis quasiment fini, quoi. Ouais, je vais faire un peu chier. T'aurais pu booster ton larbin plutôt que ça. Ouais, mais non, il peut pas attaquer. Ah, une carte. Et sérieux, je connaissais pas ce repère. De quoi? Bénédiction de sagesse? Ouais. J'avais jamais vu encore. Vengeance. Maintenant t'as vu. Et maintenant il te reste un PV. Exactement. J'ai envie de dire, je vais tellement te finir de manière swag. J'en ai rien à foutre. Et j'ai tellement ton ours qui bug, qui est en train de léviter au-dessus de toutes tes autres cartes en tout petit. Bah c'est le problème de la bêta. Est-ce que tu veux que je t'achève de façon classe ou pas? Non, tu vas m'achever avec ton larbin. Non, mieux que le larbin quand même. Thomas, tu m'as pris pour qui, bordel? Pour quelqu'un qui a les mâches avec son larbin. Non, avec une consécration. C'est tellement plus amusant. Tu ferais... Bon. Voilà. C'était pas glorieux. Oh, c'était sympa. J'aurais très bien pu te mettre 11 points de dégâts dans la face. Vengeance. Et voilà. Là, je perds aussi. Et là, c'est le combat des mains, par contre. Ce que j'aime bien, c'est que je tourne et je gagne. C'est ça. Alors que par contre, toutes les parties hors cam, c'est moi qui me fais déglinguer. C'est le stress de la caméra, c'est horrible. C'est horrible. Je tremble, je sue. Voilà. Bon, bah, je moi perds j'ai tous mes moyens. Donc, je suppose que t'as fait de même. Sinon, c'est du coup, ça vous aura fait découvrir un peu plusieurs personnages. Voilà. Vite fait pour le chaman, très vite fait. Le chaman, on l'a aperçu. J'aurais mieux fait de prendre un deck de base. Ça aurait été peut-être plus efficace, effectivement. Voilà. Alors là, j'ai des bonnes cartes, mais pas au bon moment. C'est juste. Ce sont des choses qui. C'est juste inadmissible. Donc là, moi, je joue le voleur et les Alti, le prêtre. Le prêtre. Le prêtre chiant, d'ailleurs. Non, t'es un peu plus chiant que moi. Peut-être plus chiant. Il y a plein de cartes chiantes que j'ai choisi de pas mettre. Ouais, mais t'en as plein que t'as choisi de mettre, donc... c'est pas beaucoup mieux. Là, par contre, il y a de très fortes chances que je perde. Mais bon. Ça fait partie du jeu, non? Ah, un grizzly. Oh bah non, je suis tellement déçu là. Non. Non, tu t'attendais tellement au grizzly. J'étais... Ouais, je voulais moi, twist j'avais... scénaristique. C'est ça, t'as pas eu de grizzly, je suis... Et tu comptes rien jouer en fait? Ouais, j'ai essayé de faire une partie à blanc. c'est je trouvais ça plus amusant. Donc... Tu respectes le nounours. C'est ça. Le nounours de l'apocalypse. Bon, alors je pourrais. Le sacro-saint nounours de la lumière. Je pourrais jouer, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Sauf que avant, tu vois, je suis un sauf qu'avant, je suis. Oui, ce serait mieux si tu joues. Quoi, on a pensé. Je vais te balancer une trahison dans la gueule. Juste pour le fun. Non. Voilà. Juste pour le fun. Je vais piocher une carte. Nounours, comment penses tu me traites? En fait, j'aurais tellement pas dû le mettre au milieu, le nounours. Enfin, tu peux pas deviner non plus que j'allais avoir une trahison. Non. Si, je sais que t'as cette carte. Oui, j'en ai un exemplaire, la probabilité que je tombe dessus, elle est faible. Nounours, tu m'as trahi. Va tuer cela, pardon.
et le shield de Masta. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Réfléchissons, réfléchissons. J'ai crié, soignez-moi. Prêt, chef. Voilà. Il y en a un qui a décidé d'être chiant. Aujourd'hui, oui, beaucoup. Enfin, j'ai envie de dire, je t'ai laissé un peu jouer tout seul. Faut pas déconner. Je vais pas te laisser jouer tout seul indéfiniment. Oh non. Bah non. En plus, je me suis soigné, du là, coup. Là, mon petit Zelti, ça, j'aime pas ça du tout, ça. Hein. Ça pas j'aime bien. Oh, ça va pas le faire, ça. C'est très très bon. T'inquiète pas, j'essaierai de t'achever avec mon bon vieux combo. Ouais, enfin, un combo. Oui, alors le combo, c'est une carte légendaire. On vous en parle pas, on vous en parlera si... Et un sort. Si elle sort. Oui, un sort. Et c'est surtout la carte légendaire qui doit venir avant. Ah, le Berserker. Le Berserker qui sort tellement mal. Et oh non, qui sort tellement bien. Tu prononces comment? Moi je dis Berserker, mais... Berserker, je crois. Mais il y a plein de... On peut le prononcer de plein de façons, de toute façon. C'est ça le problème. C'est... Il n'y a pas vraiment de bonne... Je crois qu'on peut aussi dire Berserk. Ouais, je sais pas, il y a plein de gens qui le disent différemment. Du coup... Donc c'est pour... Donc c'est pour... Et là, tellement ça peut faire des trucs bien, mais ça va pas le faire. À moins que c'est un petit mot de l'ombre qui traîne quelque part, peut-être. Ah, il serait complètement présent et complètement le bienvenu. Ouais, c'est mort, c'est ça. Pour celui qu'il faut, c'est mort, je crois. Ouais, c'est mort qu'il me faut. Ah, la chouette du... Pourquoi tu gardes tes trois blessures? Les blessures, ça touche pas. Hein. Mais logiquement, je t'en tire un plus un plus un, donc quelque bah part, bon, ça devrait. T'es pas mort. Quoi? Tu permets de gueuler, en plus. Je trouve ça inadmissible. C'est ça. Tellement inadmissible que je vais te soigner. Ah ouais. Ouais, mais bon. Ça a ses avantages. Ça a ses avantages. C'est mal barré. C'est mal barré. Ah, effectivement, c'est plutôt mal barré pour toi. Effectivement, effectivement. Non. Si. Un petit peu. C'est mortville avant tout. Ouais, dégagez. J'adore cette réplique. Ouais, moi aussi, je les aime bien, mes petits défesses. Adieu. Aïe. Oui. Et voilà. Aïe. Ça clean bien le board, j'aime bien. Surtout avec une provoque 10-5. Et là, en plus, ça te permet de jouer. Je suis content. Allô? Ouais. Alors, je que je t'avais perdu. Donc, pendant un moment, je me suis dit, tiens, il est plus là. Alors, le massacre du temps tellement mal joué, là, pour le coup. Oui, bah, faut bien que je joue quelque chose. Ouais, mais bon, c'est... Dans ces circonstances-là, c'est dommage. C'est ça que je veux dire. Et j'ai juste ce que j'ai. Oui, bah, c'est une manière. Si t'es pas autant, on l'a refait. Mettez cette pomme sur votre tête. D'accord, d'accord. Hop. Et un... Putain, j'y crois pas. 3-0. Faut que ce soit quand c'est filmé qu'il me foutent une tôle. Ah, exactement. Et là, puis là, j'en profite. J'en profite tellement. J'en profite tellement qu'au prochain tour, c'est fini. Allez, The Dream. Le rêve. La carte. Ça a pas de dream, là. Ah, ça a pas de dream du tout. Le Zelti là qui est écrasé. Tout de suite écrasé, c'est toi que j'écrase. Moi aussi je m'écrase. Ah non, non, non. C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Ah, plus 2 PV. Ça ne servait à rien. Ouais, mais bon, comme j'aime bien faire les trucs classe, si tu veux. Je pense que je vais essayer de faire un beau jeu pour ce 10e tour. Et j'ai une montre qui sonne derrière moi. Alors, on va commencer par ça, parce que ça coûte rien.
Ensuite, deuxièmement, on va faire ça. Ce gars est foutu. Voilà, parce que ça coûte rien. Enfin, tu vas tellement me lâcher en couille, bro. Attends, on va faire ça. Pour balancer mon deuxième meneur des pièces. Ah, ça a pas fait de combo, je suis déçu. Ça a pas assez bien comboté pour moi, ça. Il reste 5 cristaux. Oui, mais j'ai pas assez de petites créatures. Je suis déçu, là. C'est moi qui suis déçu, tu vois, à cause de tous tes combos, tu vas m'achever avec un truc minuscule. Bon bah, du coup... tellement d'options, ouais, c'est ça. Attends, excuse-moi. Je vous tuerai. Adieu. Ah non, non, non. La lumière vous brûlera. Attrapez ça. Ensuite, je te finis. Ah, c'est rare que je te batte sur ton deck. C'est pas la première fois. Non, c'est pas la première, ça va être la 2-3ème fois, mais bon. Enfin, c'est assez rare que je te batte comme ça, et là surtout je t'ai battu 3 fois de suite avec 3 decks différents. Là je tiens à dire que je tiens à dire que c'est niveau. J'ai juste envie de citer le gnome lépreux. Non, je me sens sale. Exactement, tout à fait. Bon bah du coup moi ça m'a bien fait plaisir, ce match il était franchement. Franchement ces 3 matchs étaient sympas je trouve. Ouais, je trouve que c'était... Oui, bon, t'as perdu. Moi, je trouve ça plus sympa, forcément, mais bon... Les deux matchs où j'ai eu à peu près de la chance, j'ai foutu de la merde, et le premier, j'ai pu... Moi, je te propose, pu faire. À la limite, d'en faire un dernier. Mais Vengeance sur... Mais pas sur nos decks principaux. Oui, oui. Ah ouais, d'accord, je pensais prendre un... Je pensais qu'on allait faire un combat, genre, au hasard, en prenant un deck autre pour voir d'autres personnages, mais ouais, si tu veux. Non. Je veux sauver mon honneur. Ah, une revanche de main. Ouais, ouais, enfin tu prends ce que tu veux, mais si tu prends pas ton main, ça a peu d'intérêt. Et bah une revanche de main, c'est parti. Je ne demande que ça. Par contre, je sais pas depuis combien de temps on y est du coup, mais... Mais voilà. 20 minutes, vu que les parties étaient assez courtes du coup. La première est assez vite finie, la deuxième aussi. Ouais, je commence. Et là j'ai une bonne main. Ah, et bah ce sera du bonus. Là j'ai une très bonne main. J'ai une main un peu juste. J'ai pas une meilleure main, j'aurais dû garder. J'ai une main qui me convient mais tout à fait. Et là je t'entends plus du tout. Et là c'est la merde. Ah bon? Ah désolé, je parle pas fort pour éviter de gêner les voisins. C'est pas ça, mais j'ai eu un petit bug Skype en fait. Oh. Non, t'inquiète, t'y es pour rien. Si c'est ça que tu veux savoir. Prêt à l'action. Voilà. Je suis pas prêt à l'action, moi perso. On commence à faire chier dès le début. Hein, ah, je vois ça. Ça n'a aucun respect. Tu sais quoi? La lumière vous brûlera. Et exactement. Bam. Le sang de soin qui servait à rien. Ah, bah tout à fait. Je suis pour ce genre de technique. Et mettez cette pomme sur votre tête. Aux armes. Là, j'ai franchement une très 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 bonne main de début. Hein. Là, tu me provoques surtout. Ah, oui, complètement. Ouais. Allez hop. On va mettre le diablotin. L'avantage c'est qu'il peut contrer un petit peu ton... Enfin il peut m'aider à me protéger un peu contre ton lanceur de couteau. Malheureusement pour toi... Moudada. Ah, inutile. Tu peux pas lancer de sort sur le maître des diablotins? Ah bah non il a... Ah merde. Non il perd de la vie hein. Ah non mais non là je me sens très très con en fait. Il se taille les veines à chaque fin de tour. Hein. Oui, exact. J'avais complètement zappé ça en fait. Bon, c'est pour ça qu'il est utile en fait. Ouais, bah surtout mon plan. Disons surtout contre le lanceur de couteau parce qu'il va m'invoquer des gobelins qui peuvent me protéger sauf si tu les tues. Exactement. Quoique. Non, ça quoique. Passe. Ça passe. Ouais, enfin du coup. Ça passe. Flex. Complètement flex, et je domine déjà le terrain. J'aurais pas trade comme ça, mais... Ouais, mais non, enfin oui, j'aurais très bien pu trade avec le jongleur de couteau et lui laisser un point de vie, mais bon. Je m'en fiche un peu, en fait, donc... Ah... Ouais, ça marche aussi, hein. Déjà, on se débarrasse de ça. Et ça se rend des PV. Bonne solution. Bonne solution. Hop. Moi, bah, ça va sortir les arbres. Bonjour. Je regarde
Mal barré cette partie pour toi aussi, je sens. Ça c'est... J'ai oublié de te dire que j'avais quand même changé 2-3 cartes avant qu'on joue. Genre le deuxième meneur des fiasses, je l'avais pas avant. D'accord. C'est pour ça que tout à l'heure j'en ai joué deux, j'en avais qu'un avant. Donc c'est vrai que là, la probabilité que j'en ai en début de game, c'est vachement bien. Parce que cette carte-là, elle est bien. Quoi. Non, elle est nulle. Voilà, je le dis. Bon, elle est bien. Moi, j'ai décidé qu'elle serait bien, donc elle est bien. C'est moi qui regarde. Hop, et ça va. Ouais, bébé. Il te reste plus que 14. Du coup. On est qu'au tour 6. C'est beaucoup, 14. Pour un prêtre, c'est beaucoup. J'ai sûrement tes mots à l'oreille. On va jouer ça. Ça se fait que ce sont acolytes de la souffrance. À ce que je vois, c'est une attaque désespérée. Oui, du désespoir absolu. Ah, je m'en fous, tu peux le pêcher un petit peu. Ah. On a perdu le Zelti. Alors j'espère qu'on va pouvoir le récupérer. Parce que ça arrive de temps en temps. Si dans les 30 secondes il n'est pas revenu, je vais couper l'enregistrement et essayer de pouvoir le reprendre. C'est pas sûr que ce soit sur cette partie-là, malheureusement, c'est dommage, elle était bien partie. Je me demande. Bon, je coupe l'enregistrement et je vous reprends dans un instant. J'espère. Alors tout le monde, donc bah le problème c'est que Zelti était déconnecté un poil trop longtemps, ça a pas duré longtemps, quelques minutes, mais voilà, ça. Bah voilà, ça m'a fait annuler le défi. Je sais pas ce que tu viens de faire, mais ça avait annulé. Donc du coup, je vais mettre les derniers. Je me suis reconnecté. Ah. C'est tout. Et donc ouais, ça a annulé automatiquement le défi. Donc du coup, bah je vais claquer les derniers trucs de monter. Histoire de dire qu'on a fini. Bon. Je veux pas être trop anticiper, mais pour moi j'étais en bonne phase de gagner. Disons que là si tu veux, je viens de faire mon tour et tu as 6 points de vie, j'ai le contrôle total du board. Avec ouais, de toute un façon, meneur des fiasses, un grizzly fer poil, une sombre écaille et un autre bandit des fiasses qui sont tous full vie, full attaque. Ouais, de toute façon j'avais rien dans la main, donc... Ouais. Donc j'ai gagné par force de dire en nous. Et là... Bah il faut quand même toucher. Donc pour sortir de là j'ai pas trop le choix, c'est moi qui suis obligé de capituler. Mais je pense qu'on peut dire capitule, incline, non, tu capitules, tu t'inclines. Je suis obligé d'abandonner pour pouvoir sortir de la partie, hein, bien sûr. Du coup bah je gagne un petit peu le dispo. Mais bon j'ai une défaite alors que normalement j'ai 7 victoires. Je tiens à le dire. Voilà, je pense qu'on va pouvoir se laisser là pour aujourd'hui puisqu'on aura fait 3 matchs et demi. Même si le quatrième était sur le point de se finir à peine commencé. Ouais. Donc je finis donc avec 3 victoires, 1 défaite. Même si la défaite me paraît plutôt litigieuse. Y'a pas du tout litigieux. Tout le monde t'a vu capituler devant moi. Exactement. J'ai capitulé. Comment ça je n'étais pas con. Comment ça t'as annulé le défi. Mais non. Comment ça j'ai joué plus Ouais. J'ai gagné. Grâce à ma déconnexion, j'ai utilisé la technique de déconnexion forcée qui m'a coûté 0 point de mana pour pouvoir gagner ce match. Le pouvoir spécial Rage Kit. Tac. Le Rage Kit impossible du bug Skype, internet, lol. Ah mais ça fait tout bugger dès que j'ai un problème de connexion avec le wifi sur lequel je suis. Mon ordi se met à friser pendant 2 minutes. Voilà, donc bah, ça pose quelques petits problèmes. Sur ce, nous on va se faire, c'est là, moi je pense que, enfin moi je me suis bien marré en tout cas, on a dit bien des trucs, c'était sympa. Je sais pas pour toi, qu'est-ce qu'on a pensé un peu de ces petits matchs quand même. Je reviendrai. Voilà. Fufufu. Ah, le fufufufufu, complètement présent. Fufufu. Bon, et ben voilà, donc on va se laisser. Je te ferai la peau. On va se laisser pour cette vidéo, j'espère que vous êtes bien amusés, pour nous c'est le cas apparemment, hein, donc voilà. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde. Au revoir.